Salut, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on va se voir comment décoller et atterrir son aile en sécurité. Avant de commencer, c'est pas mal d'avoir bien préparé son matos, bien vérifié son aile, ses lignes, bien de connaître un peu le spot de pratique et les conditions prévues. Et on essaie de se placer le plus loin possible des dangers, voire proche de l'eau pour décoller son aile. On va chercher un assistant pour nous aider à décoller notre aile. Il va venir attraper notre aile au milieu du bord d'attaque et va venir la retourner du côté opposé à la barre. Une fois que notre assistant est prêt, on va venir s'attacher à la barre et ensuite se placer en bord de fenêtre. Donc le bord de fenêtre, on vient se placer travers au vent. On va bien tendre nos lignes et on va venir tranquillement se déplacer vers le vent jusqu'à ce que notre aile se gonfle et que les lignes soient bien tendues. Une fois prêt à décoller, on fait un signe à notre assistant, ça va être un pouce en l'air. Et au signal, l'assistant du coup va juste lâcher notre aile et nous, on n'a plus qu'à décoller notre aile avec la barre. Une fois qu'on a fini notre session, on va faire appel à notre assistant. Pour lui faire signe, on va taper sur notre tête et normalement, il va venir se placer au milieu du bord d'attaque, au vent de l'aile, pour la récupérer comme au décollage. Une fois que l'assistant a saisi l'aile, il la retourne. On vient ensuite se décrocher et sécuriser notre aile. Avec tout ça, maintenant, vous êtes prêt à décoller et atterrir en sécurité. Et vous allez pouvoir attaquer votre water start sur l'eau.